C'est pour ça que j'ai dit à Lydie que Lydie, cette maison, j'ai nettoyé avec mes mains. Cette maison, j'ai mis mon âme dans cette maison. Quoi? Cette maison, j'ai mis mon âme dans cette maison. Hey, mon frère. Ha, ha. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Hé, hey, coucou, qu'est-ce qui ne va pas avec maman Lydie, non? Lydie, je vais te dire quelque chose. Si une de tes copines, collègues, avec qui tu fais les partous. What? Doucement. Ouah, maman Emilia, tu as raison. Il faut aller doucement. Vous faire doucement. Vous allez chez les marabouts ensemble, s'asseoir encore devant une caméra pour prononcer mon nom. Je raconte à tous les musiciens camerounais tout ce que tu dis et fais sur eux. C'est pas possible. Coco, pourquoi tu fais ça? Je lui envoie un message puisqu'elle m'a bloqué sur tous les numéros. Même sur des numéros que moi-même je paye encore des factures, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est malheureux. C'est grave, la mère. Coco, tu es sûr de ce que tu dis là? Ça, je te jure sur la tête de mon père, sur la tête de mon père, de mon fils, de tout. Sur ma tête, moi-même, je te jure. On va le juger. Maman, comment tu trouves cette affaire? Du moment où tu fais entrer ton ami dans la maison, sache que même tes secrets ne seront plus de secrets. Tout le monde serait au courant. C'est vrai. Le problème, c'est même quoi? Quand on est une maman célibataire, avec plusieurs enfants, des pères différents. Massa, dont chaque enfant a son père. Et que tu es le seul pilier de tes enfants. Il y a des choses que tu devrais faire. Tu devrais parfois faire la part des choses. Elle devait faire quoi? Ou bien elle a fait quoi? Lady, quand le Covid a commencé ici en France très très fort, Macron avait dit ceci. Que toute personne qui veut rentrer en France, il doit rentrer parce qu'il va fermer les frontières. C'est vrai. Lady pense, pourquoi t'es pas rentré pour s'occuper de tes enfants? En sachant qu'entre temps, il n'y avait pas de concert. Point d'interrogation. Tu n'es pas rentré. Tu as préféré confier tes enfants à Coco Lago. Non, non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein. Makoso, je t'assure. Coco Lago, c'est quoi le souci? Peut-être que tu es là, tu penses que tu as l'ancré dans les sectes et que là-bas, tu as le sang à l'œil. Pas besoin d'ancrer dans les sectes, moi. Je suis folle de nature. Je suis née naturellement folle, dingue. Tu n'auras plus de vie. Pourquoi? Tu n'auras plus de vie, tu n'auras rien, tu vas tout perdre. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Massa, la mère, tu entends ça? Tu as laissé Coco Lago s'occuper de tes enfants. Quand il faut amener tes enfants à l'école, soit si tes enfants doivent faire quoi que ce soit, même si les enfants tombent malades, c'est Coco Lago. Ça se souvient, hein? C'est très souvient. Tu étais où? Point d'interrogation. Tu l'as confié ta vie. Ça veut dire la vie de tes enfants. Ah oui. Voilà donc les retombées aujourd'hui. Tu dois savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu dois faire attention à tout ce que tu dois faire. Parce que tu es une personne publique. Ouais, ça c'est très bien. Pourquoi par exemple, ma soeur? Tu as mis, moi je dirais ta copine, je ne vais pas dire ta copine dans la maison. Il y a des choses qui n'allaient pas à un moment donné. Là, tu as parfaitement raison. Il y a des choses qui n'allaient pas. Tu l'as confié la vie de tes enfants. Entre temps, toi tu as préféré te pavaner au Cameroun. Faire ta vie, faire des choses. Hey, hey. C'est souillant. Hein. Mais vraiment, on a souffert. Et tu dis quoi aujourd'hui, Coco Lago? Conserve bien mon message si que je t'envoie via les réseaux sociaux. Conserve bien ça. Quel message comme ça? Des affaires. Tu fais venir tes copines, que soi-disant, elles vont prendre mes choses. C'est elles qui me donnent mes choses maintenant que moi-même, je suis entrée avec dans une maison que je paye encore les factures. On m'a encore défalqué 51 euros là pour le téléphone que tu utilises. C'est pas possible. Continue maman, on t'écoute. Toi Lady Ponce, tu m'as dit que les boulous, je dis bien les boulous, ont tué Femme Zengue. Et que tous les musiciens et Betty, les tontons et bourreaux, tout ça là, on dit que une boulou ne peut jamais être la reine du Bikutsi. Ah, quoi? Ça c'est quel pays? Ah. Continue. C'est pour ça que Coco est boulou, elle est pygmée. Elle ne peut jamais être la reine du Bikutsi au Cameroun. Que c'est toi. Hé, hey, laisse les gens. Non, ma soeur, ne rit pas trop. On écoute la magie noire, la sorcellerie. Une fine partie de ce qui sort de ta bouche, de ce que tu fais, ce que tu trafiques dans le milieu de la musique, ça suffit. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. J'ai dit, tu me mets tes copines derrière, je balance tout. Godness! J'ai dit, je dis tout. Les noms des ministres avec lesquels tu fais les partous.
Avec lesquels elle a fait quoi, maman? Par tous. Quoi? Par tous. Ah, vraiment le Cameroun. Je vais tout dire. J'ai dans les numéros de leur femme. Bon, ça va. On a compris, non? Les fans, abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Vous avez payé cher la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé cher. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.